à tout le monde. Donc sur le domaine des saveurs, les planons. Là, on est dans la partie moderne qui a été faite en 2005, qui abrite le musée. Et donc là, on est parti pour un cycle de création ensemble, vous et le collectif Ishtar. Il y a une équipe de 11 artistes qui viennent du foyer de Tréfort. L'idée, là, c'est une première rencontre, donc c'est de se présenter et puis de découvrir ensemble qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Voilà, donc nous, on est un collectif de musiciens et danseurs, d'artistes. On va passer un moment à travailler ensemble, à découvrir des choses, comment on peut manipuler des objets, des instruments pour faire de la musique, comment on peut se déplacer, comment on peut faire de la danse, chorégraphier des choses, organiser des actions en mouvement. Sachant que l'objectif, c'est le 1er octobre de créer des performances artistiques. L'objet d'aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu comment c'est fait et qu'est-ce qu'on va y faire. Quand on est allé visiter le jardin, je trouve que c'était bien intéressant. J'ai bien aimé. Bah, du coup, c'est super chouette, les rencontres se sont faites. Ce matin, on est allé se promener dans une ancienne ferme. On a fait le tour du musée. Puis après, on a fait du spectacle. De danse et puis de rythme avec la musique, avec des instruments de musique. Ben aujourd'hui, je trouve que c'était bien parce qu'on a fait de la musique, puis on a dansé un peu. Je trouve que ça détend. C'est une découverte pour moi. Voilà. Du coup, c'est rigolo de les voir. Il y en a certains qui sont très à leur aise tout de suite. Il y en a d'autres pour qui c'est la première fois. Donc on a senti qu'il y avait un peu de timidité ou un peu de résistance au départ. Et puis en fait, on a fait les échauffements et puis chacun s'est laissé prendre dans l'ambiance, quoi, dans la folie du truc. Voilà. Ça change, quoi. Voilà. Parce que ça ouvre l'esprit, ça nous permet d'inventer, de créer, après de nouvelles choses, voilà. Et que tout le monde participe à la création. Une bonne troupe d'artistes. Tréfort reviendra pour le prochain rendez-vous. C'est un projet qui est porté depuis le mois de juin, à peu près, depuis le début de l'été, dans le cadre de l'été culturel. Projet porté à la fois par le département et la direction des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes. Jouer ensemble, et c'est vraiment un jeu qu'on va avoir, une vraie performance, des gens qui ne se seraient peut-être pas rencontrés dans la vie réelle. Et puis aussi les faire venir sur un site que peut-être ils n'ont jamais vu non plus, leur faire découvrir ce site. Et puis aussi d'avoir un vrai projet collaboratif, et ça me tient beaucoup à cœur. C'est que du positif, parce qu'on voit que les résidents ils se lâchent un peu plus. Les musiciens ils sont super, ils sont super gentils. Et ça fonctionne super bien et je suis fier. Je travaille au plastique à l'ISAT. On m'a demandé pour faire la danse, j'ai dit oui. Ça change un peu pour au boulot là-bas. Je pense que ça leur fait vraiment une rupture et une pause de l'environnement dont ils ont l'habitude. Ça fait un peu d'autres... je ne sais pas comment dire.
d'autres choses, ça fait voir d'autres choses. Et ça vous plaît? Ouais, ça va, ouais. C'est bien, ouais, c'est clair, mais... Ça se passe bien, c'est notre, je sais pas, quatrième ou cinquième jour avec eux. On s'approche du terme, du projet, puisque le spectacle a lieu ce week-end. Niamh Nguyen, qui est la chef du café de campagne, qui viendra aussi nous faire découvrir quelques saveurs liées à cette performance. Pour travailler ensemble, merci du personnel du musée, pour travailler avec tous les personnels, les danseurs, les musiciens, pour partager toutes les ma compétence de création avec toutes les recettes, traditions mélangées avec de la saveur ici et ailleurs. Et on a évoqué des saveurs, lesquelles on pourrait danser, lesquelles on pourrait mettre en musique. Pareil, on a le droit de partir à la danse. C'est très humain, en tout cas, le travail avec des résidents d'un ADAPI. Je ne sais pas s'ils vont plus loin qu'un autre danseur ou autre, mais en tout cas, ils sont sincères et entiers. Ce qu'on n'a pas toujours chez quelqu'un qui pense normalement. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, vous allez assister à un spectacle. Ah non, je ne crois pas, ce sera plutôt une performance. Justement, une performance assez surprenante, assez rare pour nous, puisque les gens avaient des choses à goûter en même temps qu'ils entendaient de la musique, du texte, ils voyaient de la danse, du mouvement. Il y avait une espèce de tout qui était orchestré, y compris dans la distribution des aliments. On a tenu notre partition, on se demande comment les gens ont vécu ça en même temps, puisque eux, ils ont le mélange, quoi. C'est une aventure que je connaissais pas, puis ça s'est bien déroulé. Ouais. Je suis bien content. C'est quelque chose de bien, puis d'émouvant surtout. Ils ont été grandioses.